Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma en vidéo. Là c'est donc le pré-générique pour ceux qui nous regardent sur les chaînes YouTube et même sur Facebook. Donc restez bien, je viens vous prévenir tout de suite, hein, restez bien en fin de chronique pour ceux qui nous regardent encore une fois sur les réseaux sociaux, car il y aura un énorme coup de gueule sur un film dont je ne vous ai pas parlé lors de sa sortie. C'est le cas cette semaine, je vais vous en parler car je l'ai vu cette semaine, je vous donnerai mon avis. Et c'est un film avec Brad Pitt pour le petit indice. On parlera donc cette semaine comme d'habitude de mes sorties ciné avec le retour d'un vétéran du Vietnam. On parlera également d'un nouveau film avec monsieur Danny Boone. Il y aura également ma sélection de films à la télé, le DVD à posséder absolument, et dans le cadre de S'il n'en restait qu'un, le film à voir absolument cette semaine. Et en fin de chronique, bien sûr, le petit bonus, encore une fois pour ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Alors, avant d'attaquer la chronique version radio, profitez-en de ces quelques secondes pour vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche pour les notifications, et on se retrouve juste après le générique. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors, cette semaine, trois films ont retenu mon attention, à voir bien sûr dans votre cinéma habituel, que ce soit à Chalon, en Champagne avec le CGR, au Palace à Épernay ou plus proche de nous avec les cinémas Opérins ou encore Gaumont Parc Millésime. Cette première sélection concerne Monsieur Sylvester Stallone qui revient pour notre plus grand plaisir pour un cinquième opus de Rambo, Rambo Last Blood, qui va ici revenir sur l'essentiel. Rambo prend sa retraite dans sa maison familiale et il va essayer, malheureusement, puisqu'il va être rappelé entre guillemets pour sauver la fille de l'un de ses amis, il va reprendre du service. C'est un Rambo un peu différent des autres opus. C'est vraiment un grand plaisir moi que j'ai eu à voir ce film Rambo Last Blood, bien sûr avec Sylvester Stallone, vous vous en doutez. Et la dernière fois que l'on a pu voir Sylvester Stallone, eh bien c'était tout simplement pour le quatrième volet, puisque là je vous l'ai dit c'est le cinquième, et il vivait dans son grand ranch. Le dernier plan c'était sur sa boîte aux lettres. Pourquoi, vous le découvrirez en allant voir ce film cette semaine, Rambo Last Blood, avec monsieur Sylvester Stallone. Deuxième sélection cette semaine avec un film français, un film, vous vous en doutez, beaucoup plus léger, sans que ce soit péjoratif. C'est un film avec monsieur Danny Boone et la très charmante Alice Paul, qui a l'habitude de jouer avec Danny Boone dans ses propres films, Danny Boone en tant que réalisateur. Ici, il s'agit de monsieur, d'un monsieur assez richissime qui a le coup de foudre pour une jolie femme. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette propre femme est la femme de son propre patron. Là, effectivement, tout va commencer à ce moment-là. C'est très drôle, très inventif. Alors, même si ce film, qui s'intitule donc Le Dindon, hein, le film qui sort cette semaine, a déjà eu lieu à une adaptation au cinéma, c'était en 1951. Et c'est vrai que c'est plutôt, encore une fois, ici réussi. C'est tiré d'un roman de monsieur Georges Feydeau qui lui était sorti en 1896. Donc c'est sa deuxième adaptation, c'est très drôle. Alors, c'est un vaudeville, hein, si on peut dire. Moi, j'aime bien un petit peu ces films à mi-chemin entre pièces de théâtre et cinéma. C'est le cas ici, vous passerez un excellent moment avec ce film. Je vous en rappelle le titre, Le Dindon. Dernière sélection pour moi au cinéma cette semaine avec Ceux qui travaillent, un film de monsieur Antoine Rubeck avec Olivier Gourmet dans le rôle principal. Et ici, il incarne le rôle d'un cadre supérieur qui, dans une grande compagnie maritime, va essayer comme ça de résoudre plusieurs problèmes et plusieurs conflits. C'est un film à voir également absolument cette semaine. Je vous en rappelle le titre, Ceux qui travaillent. Allez, on se retrouve tout de suite après le jingle pour ma sélection de films à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je max. La 5, la 6, en sont les conflits. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Première sélection pour moi à la télé cette semaine, mercredi 25 septembre sur Arte, avec l'excellent film Sur mes lèvres, malgré l'un des comédiens avec lequel j'ai un petit peu de mal. Il s'agit ici de monsieur Vincent Cassel, qui joue vraiment très très bien dans ce film,
aux côtés d'Emmanuel De Vos. Il incarne, lui, ici, un ex-taulard, avec une femme qui est ici malentendante et qui va justement essayer de l'aider à s'en sortir, mais lui va l'entraîner sur le mauvais chemin. C'est vraiment un film dense, intense, un mi-chemin entre histoire d'amour et polar. Je vous le conseille, ça s'intitule « Sur mes lèvres » et il est diffusé sur Arte mercredi 25 septembre. Deuxième sélection, toujours cinéma et toujours à la télé cette semaine, le lendemain, le jeudi 26, mais cette fois sur C-Star avec un excellent film de monsieur Robert Zemeckis qui s'intitule tout simplement Flight, avion hein, en français dans le texte, dans le rôle principal d'Azel Washington qui incarne ici un pilote d'avion qui va miraculeusement sauver les passagers de son avion suite à un problème de vol. Mais après enquête, il va s'avérer que ce pilote d'avion est un alcoolique et là, pour lui, les problèmes vont commencer. C'est vraiment un film catastrophe et un film, une comédie dramatique en même temps. C'est tout cela mélangé. C'est vraiment un film que je vous conseille. Flight qui est diffusé le jeudi 26 septembre sur C-Star. Allez, sans perdre un instant, voici le jingle pour ma sélection DVD de la semaine. Comme au cinéma. Le DVD que j'ai choisi pour vous cette semaine, c'est un film dont on a longuement parlé la saison passée puisqu'il était sorti au cinéma et c'était l'un de mes coups de cœur. Le film s'intitule « Les crevettes pailletées ». C'est un homme qui est accusé, entre guillemets, d'avoir tenu des propos homophobes et il va être contraint, c'est un ex-champion de natation pour la petite précision, et il va être contraint d'entraîner une équipe d'homosexuels de natation et là effectivement pour lui ça va être très très compliqué, mais allez voir ce film en DVD chez des amis, chez vous, partagez-le, c'est vraiment un film plein d'espoir avec des personnages hauts en couleur mais qui sont quand même très très attachants. Je vous conseille ce film qui s'intitule Les crevettes pailletées et il sort cette semaine en DVD. Dernière partie de cette chronique cette semaine avec dans le cadre de S'il n'en restait qu'un, le film je vous le dévoile tout de suite après le jingle de mon ami Eddie Mitchell. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Le film à voir absolument cette semaine, on en a parlé la semaine dernière, c'est un film qui se situe en Belgique avec 3 jours et une vie, où en 1999, donc au début des années 2000, dans les Ardennes belges, un enfant vient de disparaître et forcément dans ces petites bourgades, tout le monde est soupçonné. C'est un polar que je vous conseille absolument avec des actrices et des acteurs formidables comme Charles Berling ou encore Sandrine Bonner que j'adore et que je prends vraiment un réel plaisir à retrouver dans ce film qui s'intitule encore une fois « 3 jours et une vie ». Il est sorti la semaine dernière et courez aller voir ce film, il est vraiment exceptionnel. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. Mais avant cela, les films qui ont été développés au cinéma et qui seront diffusés au cinéma cette semaine avec Rambo Last Blood, le tout dernier opus, le cinquième. Il y a également le film avec Monsieur Danny Boone, Le Dindon. Ma sélection à la télé avec Ceux qui travaillent. Il y a eu également toujours à la télé Sur mes lèvres, à voir absolument. Dans le cadre de la sélection DVD, Les crevettes pailletées. Et enfin, le film à voir absolument dans le cadre de S'il n'en restait qu'un, 3 jours et une vie. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé. Dernière partie de cette chronique cette semaine avec le coup de gueule que je vous avais promis en préambule avec le film avec monsieur Brad Pitt, Ed Astra, qui ici va nous raconter l'histoire d'un cosmonaute qui, on ne sait pour quelle raison, va essayer de retrouver son père. Alors il va partir sur la Lune, il va partir sur Saturne, etc. On le croyait mort, mais en fait son papa est vivant. Pourquoi va-t-il essayer de le sauver ? On n'y comprend absolument rien, ça dure 2 heures, c'est vraiment 2 heures, mais qui sont lourdes pour moi. Alors, on en prend soi-disant plein les mirettes, mais personnellement, j'ai préféré des films comme Interstellar ou d'autres, qui étaient sortis récemment, plus vieux encore, 2001, l'Odyssée de l'espace. Là, très sincèrement, j'ai encore du mal à comprendre ce film. Alors, je ne l'ai pas vu en IMAX, certes, l'immersion est peut-être moins importante. Mais côté scénario, voilà, j'ai eu vraiment du mal. Il est accueilli par tous les cinéastes et par toute la critique formidablement bien. Et j'ai encore certaines réserves sur ce film.
On nous promet Tommy Lee Jones également, qui joue le papa ici de Brad Pitt dans le film. On le voit pas beaucoup, on le voit aller ne serait-ce 5 minutes et encore à travers certaines vidéos. Donc voilà, pour moi un gros manque sur ce film. Je n'en ai pas parlé parce que je ne l'avais pas vu lors de sa sortie. Et là, très sincèrement, je dis pas que j'ai perdu mon temps, parce qu'on ne perd jamais son temps en allant voir un film, car chacun a sa perception et a une perception différente et du regard du réalisateur, à ce que le réalisateur a voulu montrer. Mais très sincèrement, allez le voir tout de même, essayez de vous faire votre propre avis et dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé de ce film. Ça serait vraiment intéressant de le savoir. D'ailleurs, je vais créer tout en haut de la page, là, en haut à droite, un petit sondage pour savoir si vous avez vu le film, pour savoir si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire, mais pour moi, c'est mon coup de gueule de la semaine concernant ce film qui est sorti la semaine dernière, je crois. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez voir l'émission de la semaine dernière, eh ben, c'est en bas de l'écran que ça se passe. Et pour vous abonner, c'est en haut à gauche afin de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des futures vidéos. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes séances de cinéma.